26 ans. J'habite dans le nord de Bordeaux, à Blanquefort, dans un foyer de jeunes travailleurs. Et là, à l'heure actuelle, je suis demandeuse d'emploi. J'avais arrêté de travailler il y a quelques temps pour raison de santé. Et donc là, je fais une formation pour retrouver une orientation professionnelle. Et les difficultés auxquelles je me heurte maintenant, c'est que pour se faire financer une formation après une période comme ça où ça a été un petit peu difficile, et ben, c'est assez compliqué. On me dit que je suis trop diplômée pour ça. J'ai un diplôme, c'est vrai, qui ne m'a pas appris un métier. Et du coup, j'ai fait une licence de chinois. Donc maintenant, il faut que j'arrive à apprendre un métier. Mais pour se le faire financer, c'est là qu'est la difficulté. Moi, au départ, je me suis inscrite dans tout ce qui est lutte contre les discriminations, notamment par rapport au handicap, par l'associatif. Et puis, j'ai connu des communistes. Et à partir de là, j'ai entendu tous les discours un peu plus politiques, économiques, etc. Et je m'y suis reconnue et j'ai eu envie de militer. En tant que communiste. Je souhaite que la question de la démocratie interne soit vraiment travaillée. Je souhaite aussi que électoralement la législative prenne plus d'importance que la présidentielle au sein de notre parti. Je suis opposée à la primaire qui met trop l'accent sur la présidentielle. Et enfin, je souhaite que nous adoptions une position assez tranchée sur qui sont nos alliés. Et notamment, je pense à la question de la social-démocratie.